fait vraiment pas beau, hein? Non. En plus, il annonce super froid toute la journée. C'est à qui à choisir le film? La dernière fois, c'était moi. La fois d'avant, c'était moi. Ah, puis après Pierre, c'était moi. Oh! Oh! Ça veut dire que c'est... Ça veut dire que c'est mon tour! Oh! Choisis toujours les films les plus plats! Oh! Hey non, mais si on s'habille chaudement, là, on prend les jouets dehors quand même. Moi, ça me dérange pas de me geler les pieds, hein, c'est pour manquer le film à Catou. Oh, c'est sûr qu'elle va prendre un film d'amour. Yark! Ou pire, un film de danse. Arc! Non, 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 c'est encore mieux. C'est un mélange des deux. C'est une comédie musicale! Yeah! Que vous criez, on aurait déjà fini le film si vous aviez pas crié. C'est la meilleure comédie musicale au monde. C'est quoi le titre? Ça s'appelle Grease, ta vie. Mm. Ça se passe dans les années 50. Hein? Ce film du futur, ça se passe en 2050! Mais non, pas en 2050, ça se passe dans le passé. Je veux pas avoir de l'aide du gars qui t'a fait paraître pour une folle, mais 2050, c'est pas encore passé. Mais si ça se passe dans le passé, passé! Oh, un film d'homme des cavernes de l'an 50. Hey, c'est-tu un film de dinosaures? Des dinosaures qui chantent en l'an 50. Les hommes des cavernes et les dinosaures n'existaient plus à l'an 50. Bravo! Tu viens de nous voler le punch! Mais non, là! Assoyez-vous, je mets le film. Allez, hop! Des dinosaures qui dansent, ça doit pas être évident parce qu'un dinosaure, ça a des grosses pattes. Ça se passe en 1950. Regardez, vous allez comprendre. Dis-moi, j'attends. Dis-moi où est, quelle heure, quand et comment. Moi, je ne peux plus attendre jusqu'à la fin des vacances en septembre. Dans le haut, les mains, dans le bas, les pas. La vie est belle, braque ma vie. Tous les jours, je veux que ça recommence. Comme un amour de vacances sur la trame sonore de notre histoire. Je la remets encore. Je la remets. J'ai tellement hâte de voir les deux nouveaux. J'espère qu'ils vont être beaux, grands, forts, célibataires. Ils seront jamais aussi beaux que mon Gilles. Il est tellement parfait. Oh, regarde comme il est parfait. Mais c'est pas super sexy quand il s'entraîne pour ses courses d'aviron en marchant. Salut, beauté. Ah, salut. Je te parlais pas, je me disais salut dans ton miroir. As-tu entendu la nouvelle? Il paraît qu'il va y avoir deux nouveaux étudiants à l'école. Ils sont pas de calibre pour faire partie de notre gang. On est les populaires. Regarde-nous, t'es la nerd la plus populaire de l'école. Je suis le gars le plus populaire de l'école. Catou est la fille la plus populaire de l'école. On est le couple le plus populaire de l'école. À go, notre cri de ralliement. Pa-pa-pa-pulaire! C'est vrai, on est tellement populaire. Mais on est tellement cool. Les petits nouveaux seraient jamais capables de faire ça. Ça marche même avec les gars. Hey! Ça marche même à travers le miroir. Ah, ça, c'est spécial. Vite, 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 dépêche-toi, dépêche-toi. Cours pas, cours pas. Attendez-moi, les filles. Je me sens encore faite un clin d'œil. Dépêche-toi. J'essaie, mais il y a du courant. C'est correct, ça? Hein? C'est correct? Non, mais en plus que ça, faut faire bonne impression. Hey, qu'est-ce qu'on fait s'ils nous acceptent pas? Ils vont nous accepter. Ah, mais là, t'es conscient là, que c'est tous les riches de la Haute-Ville qui viennent ici à l'école, là. Nous, on fait partie là, de la basse-ville, des pauvres. Il paraît qu'ils ont même la télé en couleur. Ils vont nous accepter parce que j'ai un truc. Tu spots le gars le pilote de l'école, puis bang! Tu y rentres tes doigts dans les yeux. Il va savoir c'est qui le nouveau king de l'école. Bonne idée. Non! Non! C'est bon, je l'ai spoté! Où ça? Là! Oh! Voyons, c'est quoi ton problème? Ben là, je trouvais que c'était toi le plus hot, là. Pour vrai? Ah oui, mais plus maintenant. À ça, c'est moi le gars le plus hot. Ah! Hey, c'est le fun de ton truc, mais moi, autant que c'est douloureux. Oh. On n'a même pas de télé couleur.
On n'a pas besoin de télé couleur. Parce que nous, on a la danse, tu comprends? On a les cheveux, on a le look, on a tout ce qu'il faut. Oh! Je suis désolé. C'est pas grave. C'est mon erreur. À bientôt, j'espère. À bientôt. Ah oui? Gilles, là, il va falloir que tu choisisses. C'est ton aviron ou c'est moi? L'aviron. Ah, OK. Reprends ton blazer, ça part. Mais non, là. C'est tes blagues, mon petit Michel aux bananes. Tu sais bien que c'est toi ma préférée. Oh. J'ai vu les deux nouveaux. J'ai entendu dire que c'était deux gars du bas de la ville. Ils sont tellement pauvres, il paraît qu'ils ont même pas la télé en couleur. Ça veut dire que c'est deux bums, deux toughs, deux mauvais garçons. Qu'est-ce que vous les filles? Je vais vous protéger. Oh, ça me rassure. Nimusa! Ah! Oh. Ah! Ah! Il y avait du courant. Oui. Ah! En tout cas, c'est pas le plus brillant de son équipe. Non, mais il est tellement beau. On va passer à l'infirmerie avant d'aller au cours, OK? Oui. Oh non, je te le dis, ça a été un vrai coup de foudre entre elle et moi. J'ai rarement vu une aussi belle fille. Oh ouais? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais là, je lui ai écrit une lettre d'amour, là. Oh! Elle a volé mon cœur. Hey! Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'étais charmé. Pour toi, un poème, j'ai décidé de composer. Des mots, comme ça que je fais rimer. Je mettrais du miel dans mes yeux pour te lancer des regards sucrés. Je te masserais les mollets pour te les désenfler. C'est quoi ça? Un mot de Pierre, le petit nouveau? Je savais pas que ça savait écrire. Hey, mais même toutes tes affaires, si Pierre me plaît, ça te regarde pas! Je m'excuse, Mag. Mag! Salut! Enchanté, Gilles! Capitaine de l'équipe d'aviron, puis le gars le plus populaire d'école. Enchanté, moi, c'est... Ah, ça m'intéresse pas. Mag me parlait de toi, justement. Oui? C'est ça son nom, Mag? C'est un joli nom. Ouais, elle fait dire qu'elle veut rien savoir. Hmm? Mag va se marier avec un médecin, fils de médecin, pas un moins que rien comme toi. Je te crois pas. Une fille de famille riche sortira jamais avec un pauvre comme toi. Pense à ça. Moi, j'ai une compétition d'aviron à les gagner. Il a raison. Mag est trop bien pour moi, j'abandonne. Pierre, j'ai quelque chose à te dire. Avec ton linge démodé, tes cheveux mal lavés et tes yeux de poisson exorbités, ta seule chance de séduire Max est quand il a les yeux fermés. Pour gagner son cœur, ça prend pas des millions, mais ça aide si t'as un Mag tombera jamais dans tes bras, à moins de lui scier les tibias. Pour gagner son cœur, ça prend pas des millions, t'as juste à être le bon. Ouais, ben, le message est passé, le jeune. De la salade de choux. Ça marchera jamais. Mes cheveux sont comment? Ah, ça manque de gel. Faut que j'aille voir Mag. Moi aussi, le poulet est plus chaud, là. Ça n'a pas de sens. Je peux pas manger ça de même. Mais non, il faut que je lui dise que je l'aime, puis j'ai besoin de ton aide. Non, je peux pas t'aider. Moi, l'estomac vide, je suis pas capable d'aider personne. OK.
Parle à Kato pour que j'aie un moment seul avec Mike. Il faut que tu la distrais. J'ai-tu assez de gel dans mes cheveux? Là? C'est important que mes cheveux soient parfaits. Toute ma confiance en moi passe par là. On va faire le test! Ça tient. Si ça tient, c'est bon. Bon appétit. Bon appétit. Fais attention, Katou, là, sont pas égales, les patates. Bon appétit. Souris donc un peu, toi. Bon appétit. Bon appétit. Salut, Mag. Salut, Pierre. Oui, c'est vrai, la distraction. C'est quoi ça? Je suis insatisfait du service! Non seulement vous avez pas de pizza, mais en plus votre poulet il est frette! Hey! Que tous ces signes qui ont du poulet frette s'élèvent et crient leur colère! Non, au poulet frette! Phil, je vais te chier avec, là. Non, ah ouais, là, dîner, là. Rebelle-toi! Non, au poulet frette! Non, au poulet frette! Je vais aller mettre du gel, OK? Non, au poulet frette! Non, au poulet frette! Attends, Phil. J'en veux plus de poulet frette! Non, au poulet frette! Salut, Mag. Salut, Pierre. Salut. 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 Mais bon, OK, c'est bon, c'est tout, là. Laissez faire. Je vais la faire à votre place, la conversation, hein. Bon. Salut, Mag. Est-ce que t'aimerais ça aller au vu avec moi ce soir? Oh oui, j'aimerais tellement ça, avec plaisir. J'en rêve depuis le premier jour où je t'ai vu. Moi aussi. Est-ce que je t'ai parlé de mon amie Katou? Elle est tellement merveilleuse. Elle est vraiment belle. Elle est tellement populaire. OK, merci, Katou. On va prendre la relais. Voilà. Ça te tente-tu de faire du patin à roulettes? C'est certain. Cool. Je t'avais dit, toi, laisse ma gang tranquille. Puis toi, arrête de jaser, puis va faire ta job de fille, puis laver la vaisselle. Un jour, les femmes seront égales aux hommes, puis ça sera plus notre job de faire la vaisselle, puis le ménage, puis la cuisine. Non! On va pouvoir être des avocates, des docteurs, puis même premières ministres, comme les hommes. OK, on va aller nettoyer. Forme d'épée. Ah! Ouais. Ah, je m'en occupe. Avocate. Faut que je trouve une roulatec. Une roulatec de pauvre? OK, là, tu vas arrêter de croiser les filles de ma classe sociale. Sinon, je te vole ton meilleur ami. Voyons donc. Phil me laissera jamais tomber. Ouais, tu penses ça? Ouais. Oh non, sa seule faiblesse. Phil? Hey, laisse-moi tranquille, je veux pas te parler. Ouais. T'es sûr? Ah! Hey, tu sais parler au fil, toi? Pierre, on pourra plus être amis finalement. Mon meilleur ami, c'est rendu Gilles. Mon fil. Faut que tu choisisses. C'est lui ou c'est moi? Phil, écoute-le pas, il n'y a rien à t'offrir. Oui, c'est ce que tu penses. Ah! Oh! Un choix, la pizza j'aime son grain. Le chocolat tripe sur mon estomac. Mon ventre veut manger les deux. Oh, comment choisir? Peut-être en les faisant fuir. La vie, les rêves et le futur. Tout est moins dur roulé dans la panure. Je préfère recevoir un coup de pelle. Pourquoi choisir entre une boîte de bière ou un gilet au caramel? Pizza ou chocolat? Pizza ou chocolat? Pourquoi pas une pizza au chocolat? Sans eux, mon estomac fait du bruit. Ils sont si bons avec des biscuits. Double chocolat! Yeah! Oh! Jugez-moi pas! C'est un problème que j'ai de glande. C'est nouveau, ça.
C'est quoi ça? Rien, Tom! Oublie ça, Mag. Je te laisserai jamais t'abaisser à sortir avec un gars du bas de la ville. Pourquoi tu nous laisses pas être heureux? Parce que tu mérites mieux que lui. Pierre, il est juste... Hey! Si t'as quelque chose à me dire, dis-moi-le donc en pleine face. Oh oui, battez-vous, c'est tellement romantique! Oh non, non, mieux que ça. Un duel des chicken! Un duel des chicken? Non, c'est pas ça, un duel de chicken. C'est un duel de bicycle. À go, vous roulez face à face. Le premier qui a peur puis qui change sa trajectoire pour pas rentrer dans l'autre, perd! OK, j'accepte. J'accepte aussi. Pis si tu perds, tu retournes dans ta bécosse du pas de la ville. Ah ouais? Pis si tu perds, là, c'est moi qui deviens king de l'école. Pis je sors avec Mag. Wow! Me semble que j'ai mon mot à dire. Pis mon mot, c'est oui! Je suis d'accord avec Pierre. Duel de chicken, tout le monde! Oui! Mesdames et messieurs, bienvenue au duel de chicken jusqu'à la mort en tricycle! Merci. Vous allez pédaler le plus vite possible l'un vers l'autre. Et le premier qui est chicken, perd! Lorsque je laisse tomber ce foulard par terre, le duel commence. T'as aucune chance. J'ai déjà hâte de te voir partir d'ici en pleurant. À vos tricycles! Go! Oh non, je peux pas risquer d'endommager mon visage. C'est un si beau visage! Oublie pas, Pierre. Tu fais ça pour Mag. Oh oui, la belle Mag. Ça va ben trop vite. J'ai tous les cheveux dépeignés. Il aurait dû me proposer une course d'aviron. C'est sûr que j'aurais perdu. Pourquoi je lui ai pas proposé de faire une course d'aviron? Pourquoi? Je sens tellement la vitesse que mes cheveux volent par en arrière. Oh non, ça c'est ma coiffure puis c'est mon gel. Là, j'aurais jamais dû accepter. Je suis dans le fond, je suis une poule mouillée. Il s'approche, là. Oh, ça commence à être dangereux. Oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tourne? J'espère qu'il va tourner. Je pense que je vais tourner. Oh oui, je tourne! Il a tourné! J'ai gagné. Ça veut dire que j'ai gagné. C'est moi le king de l'école! J'ai pas eu peur. J'ai pas dit mon dernier mot. Pourquoi tu souris? Parce que je viens de gagner la guerre. Je connais ton secret. J'ai pas de secret. Ouais? Tu portes des combines. Oh, maudit jean, taille basse. Fait que soit tu portes de l'école tout de suite, tu parles plus jamais à Mag, sinon je dis aux filles que tu portes des combines. Tu peux pas faire ça. Ah ouais? Mag, sais-tu? C'est beau. C'est correct. Mag, je suis désolé, mais je dois quitter. Mais pourquoi? C'est toi qui as gagné? Si, pose pas de questions. Ah, puis non, je reste. Ah oui, j'ai quelque chose à te dire. Mag, j'ai deux affaires à te dire. Premièrement, je suis en amour avec toi. Gilles, il veut m'humilier pour m'empêcher d'être avec toi, mais il n'y a pas besoin de faire ça parce que je suis capable de m'humilier tout seul. Puis Mag, la deuxième affaire que je veux te dire, c'est que... Attention, sois prête. Je porte des combines. Oh, mais je te comprends. C'est vraiment frisqué ici. Ben oui, mais je te comprends aussi, moi, Pierre. Moi aussi, je porte des combines. Check! Ah oh non, je les ai pas mis aujourd'hui. Excusez-moi, mon erreur. Sais-tu quoi, Mag? Je vais te le dire. Il y a jamais rien qui va m'empêcher de t'aimer. Même pas Gilles. Rien. Les petits papillons, l'amour, enfin c'est mon tour. J'ai envie de l'impressionner, je serais même prêt à me laver. Quand il est près de moi, mon cœur frémit, mes narines aussi. Oui, c'est la bonne, c'est décidé, pour elle je me savonnerai. Comme un puissant régal de toi.
plus, moi c'est la combine pour être heureux. Pas besoin de balade sous les étoiles sont déjà dans tes yeux. C'est le plus beau jour de ma vie, chaque fois qu'elle me sourit. J'ai trouvé mon Don Juan, en plus il a toutes ses dents. T'as trouvé la clé de mon cœur, notre amour est si uni. J'ai trouvé la clé de son cœur, de quelle clé elle parle, je panique. Pas besoin de promenade sur la plage. Car le sable est déjà dans tes cheveux, comme un plus un régal de toi plus moi c'est la combine pour être heureux. Calculer une racine carrée c'est très compliqué, mais toi c'est si simple de t'aimer comme tu es, 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 comme tu es. Comme tu es, comme tu es, comme tu es, comme tu es, comme tu es. On avait dit ça. Je pense que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tu veux-tu un milkshake? Oui, je le veux. Banane? Fraise? Chocolat? Vanille? Vanille? Oui. Vanille chocolat? Oui. Un milkshake, deux pailles? Un milkshake, deux pailles. Un milkshake, une paille! Ben voyons donc.